méditation du 18 novembre, ne gaspillons pas l'arme que nous avons. Une jeune femme a demandé un jour à son mari : Chéri, que dis-tu au Seigneur quand tu pries pour le repas ? C'est quoi cette question ? A voulu savoir le mari. Tu ne crois pas que je dis la même chose que toi ou quelque chose du même genre ? Non, c'est impossible, a-t-elle répondu instantanément. Je n'ai jamais fait une prière de 4 secondes. Dis-moi, qu'est-ce que l'on peut dire à Dieu en 4 secondes ? Lui, fronçant les sourcils et un peu agacé, a répondu : Merci Seigneur pour le repas, amen. Y a-t-il besoin de dire autre chose ? Je ne sais pas si nous avons besoin de dire autre chose ou si cela a un sens de discuter de la longueur de nos prières. Ce que je sais, ce sont deux choses. Premièrement, que la prière doit être une communication pleine de sens. Et deuxièmement, que nous gaspillons parfois cette arme puissante que nous avons à notre portée. Premièrement, une communication pleine de sens. Nos prières doivent avoir une raison d'être. Elles doivent avoir une logique. Elles doivent être ressenties et soutenues par un esprit concentré sur ce qu'il dit au Seigneur. Peu importe qu'elles soient courtes ou longues, ce qui importe, c'est si elles sont mécaniques ou intentionnelles. Le blabla, le verbiage pur sans authenticité, sans abandon, sans engagement, sans être vrai, est de peu d'utilité dans la prière. Ce qui est utile, c'est d'être présente, de parler à Dieu comme nous parlerions à une amie. Deuxièmement, une arme souvent gaspillée. Notez cette citation d'Ellen White. « Ce qui revêt toute l'armure de Dieu et qui consacre chaque jour un peu de temps à la méditation, à la prière et à l'étude des Écritures seront reliés au ciel et exerceront une influence salvatrice et transformatrice sur ceux qui les entourent. Ils auront de grandes pensées, de nobles aspirations et des perceptions claires de la vérité et du devoir envers Dieu. Leurs prières sincères traverseront le voile. Cette catégorie de personnes possédera une confiance sanctifiée pour comparaître devant la présence de l'infini. Elles deviendront des personnes raffinées, élevées et ennoblies à cause de ce lien intime avec Dieu. Tel est le privilège des vrais chrétiens. » Texte tiré du livre Prayer, prière, au chapitre 2 à la page 22, livre écrit par Ellen G. White. Notez tout ce que nous raterons si nous ne cultivons pas la prière quotidienne. C'est une arme, un privilège à notre portée. Ne la gaspillons pas. Verset du jour, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Matthieu 6, le verset 7. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.